de mieux en mieux. Et c'est jamais facile quand tu arrives dans un nouveau club où il y a déjà un groupe qui est établi depuis quelques temps. Et du coup, il faut surtout au poste de talonneur, il y a beaucoup de choses à apprendre avec les coéquipiers. Enfin, c'est un poste où on a besoin de beaucoup d'habitude. Aujourd'hui, je me sens bien. Et puis c'est surtout la façon dont joue ce club et la philosophie que Sylvain met en place depuis des années et de plus en plus. Et voilà, et c'est vrai que ça me correspond, enfin, comme à hauteur de l'équipe en fait. On est en train de dominer pour l'instant le championnat et après moi j'ai un travail où je profite beaucoup du travail des autres en fait. Donc du coup aujourd'hui le milieu, il domine souvent, enfin pratiquement tout le temps pour l'instant, le milieu de terrain. Donc pour moi c'est beaucoup plus facile de jouer en avançant, donc j'exploite beaucoup les tenues rapides, les espaces qu'ils créent. Depuis le début on en parle parce que on a un gros groupe, mais il faut jouer des matchs de haut niveau parce que les demi-finales et finales, ça se jouera sur quelques détails. Donc, il nous tarde de jouer Featherstone et on est tous un peu excités. Et en soi, c'est un match comme un autre parce que c'est pas là où on va jouer la montée. Mais il nous tarde de nous mesurer à un gros morceau du championnat. Mais pour les battre, il faut qu'on continue à faire le travail qu'on fait. Donc ça veut dire que gagner la bataille du milieu du terrain. Et ça, depuis le début, on le fait très bien chaque match. Et puis après, derrière, il faudra être appliqué pour jouer juste parce qu'il y aura moins d'opportunités que contre les autres équipes. Et après, continuer en défense avec comme on dit, on est des chiens en défense et voilà, monter vite, leur mettre la pression, vraiment couvrir l'erreur de son coéquipier. C'est vrai que c'est bien d'enchaîner les matchs pour pouvoir au fur et à mesure gommer les erreurs, appuyer sur les points forts, les points faibles. Et nous, on l'a pas, c'est vrai qu'on ne l'a pas, donc il faut qu'on mise sur la récup et pour préparer les matchs un peu plus tôt que les autres. Et après, y a du positif et du négatif. Donc du coup, mais ce jour-là, en tout cas, il faut que ça, pour nous, ça soit positif.